They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Rewind. Cause you're a royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Et voilà, nous y sommes. Le jour de l'héritage, où les étudiants d'Ever After High signent le livre des légendes en promettant de suivre le chemin que leurs parents des contes de fées ont tracé pour eux. Ou pas. Ça suffit, c'est moi qui raconte. Oh, Maddy, il faut que tu m'aides. Ce soir, je crois que je vais refuser de signer le livre des légendes, mais je n'ai pas non plus envie de laisser tomber tout le monde. Et n'oublie pas non plus un léger détail, si tu ne signes pas, toute ton histoire disparaît, pouf! Et tu sombreras toi-même dans l'oubli. Ah, ça c'est pas sympa, ça peut faire mal. Mais on ne sait même pas si c'est vrai. Mais et si ça l'est? Et si ça ne l'est pas? Mais si ça l'est? Tu sais que tu ne m'aides pas, là. Attends une seconde, je crois que je connais quelqu'un qui pourra t'aider. Non, mais tu vois, je suis une royale, ça ne fait aucun doute. Ravan! Ah, te voilà! Oh. Il faut qu'on parle! Hé! Reviens! Appelle! Oh, mais où vas-tu comme ça? Il faut que je convainque Ravan de signer le livre. Ma destinée toute entière en dépend. Connaît la vérité au sujet du livre des légendes, c'est Gilles Grimm. Plume et ami ensemble, tout seul. Oh, il parle le n'importe quoi. On lui a lancé un sort de papota et c'est pour ça qu'il a l'air un peu coucou. Il dit qu'il est très heureux que nous soyons venus. Interroge-le sur le livre. Si je refuse de signer, est-ce que je vais vraiment disparaître? Est-ce que la chaise musicale peut changer de ton lorsque la tablette de granit est écrite avec un os? Le roi qui chante avec les pages du ciel a bien trop peur de l'aube qui se lève avec le mensonge. Il dit qu'il y a un problème avec ce livre et que si tu refuses de signer, ton histoire va... Quoi? Quoi? Ah, désolée. Si tu refuses de signer, ton histoire va continuer. Oh, c'est sérieux? Oh, c'est génial! Je crois. Hein? Tu crois? Hé, hey, le n'importe quoi, ce n'est pas une langue exacte. Enfin, le jour de l'héritage arriva. Et maintenant, voici Apple White. Bonsoir, je m'appelle Apple White. Je suis la fille de Blanche-Neige et je déclare que je suis prête à suivre ma destinée. Maintenant, Raven Queen. Bonsoir, je m'appelle Raven Queen et je suis la fille de la méchante reine. Et je déclare que je... Allez, Raven, continue. Je suis désolée, Apple, mais je... Oh. Oh. Oh.
ne savais pas que je pouvais faire ça. Je suis vraiment désolée, Apple, mais je refuse que quelqu'un d'autre me dise qui je dois être. C'est une chose que je veux découvrir seule. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, je ne suis plus la seule à pouvoir choisir ma propre destinée. Nous avons tous le choix, même toi, Apple. Mais je n'ai pas envie de choisir ma propre destinée. J'étais très heureuse avec celle que j'avais. Et maintenant, à cause de toi, elle ne se réalisera peut-être jamais. Mais peut-être que oui. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Raven. Tu es toujours avec nous, pas de pouf, 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 hurrah! Oui, je sais. Qu'est-ce que je me sens bien. La vie entre les royales et les rebelles d'Ever After High ne sera plus jamais la même, maintenant que Raven a protesté pour défendre ce en quoi elle croit. Mais ce qu'elle croit est faux. Elle n'a pas fait honneur à son destin. Elle a tenté le sort. Écoutez-moi, les narrateurs. Je vous signale qu'on essaye de passer un bon moment ici. Raven ignore quelle force elle a libérée. Il faut faire quelque chose avant que cette idée dangereuse ne se répande. Ah !